RFI. Je suis noire, africaine et j'ai les cheveux crépus. Pendant des années, je les ai défrisés, mais aujourd'hui, je suis une nappie accomplie. J'assume la texture de mes cheveux, que je porte telle quelle sans les dénaturer. L'idée d'arrêter de défriser mes cheveux s'est peu à peu imposée à moi. Quand j'observais toutes les Africaines qui franchissaient le pas, cela me donnait envie. Je ne suis pas censée avoir les cheveux raides, alors pourquoi s'obstiner? Pourquoi les modifier? J'avais aussi lu tellement de choses sur les produits qui lissent les cheveux crépus. Ils seraient toxiques, décapants et que sais-je encore. C'était inquiétant. Mais surtout, je n'étais pas certaine de me plaire face au miroir, de me plaire et de plaire. Serais-je moins jolie, moins attirante avec une coupe afro? Aujourd'hui, ce sont des craintes que j'ai complètement dépassées. Après une longue phase de questionnement, j'ai appris à déconstruire certaines idées. Les cheveux crépus sont aussi beaux que tous les autres. Hélas, nous n'avons pas toutes été sensibilisées plus jeunes à nous en occuper et à reconnaître leur beauté. Au contraire, il fallait défriser, défriser et encore défriser pour rentrer dans le carcan d'une beauté communément admise et reconnue, calquée sur la femme blanche. Maintenant, de plus en plus de femmes noires revendiquent leur afro. Plus qu'un phénomène de mode, c'est un vrai retour aux sources qui s'opère. C'est comme si elle s'était passé le mot. De Cotonou à Abidjan, en passant par Berlin ou Paris, c'est la même histoire. Nous renouons avec un héritage génétique, identitaire et culturel que nous apprenons à aimer et à chérir. Je suis moi-même impressionnée par le temps que je passe désormais à chouchouter mes cheveux. Les moments où je les hydrate à l'aide de masques faits maison sont mes favoris de la semaine. Et je n'ai plus cette vision manichéenne de mes coiffures. Ce n'est pas toujours crépus ou toujours lisse. Il m'arrive de les laisser en afro ou de porter des extensions quand j'ai par exemple envie de changer de tête. L'un n'empêche pas l'autre après tout. Tant que l'objectif en mettant des extensions n'est pas de cacher mes cheveux ou motivé par la honte. C'est ça le plus important. Il faut dire que la lecture d'Americana de la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et mes recherches sur le mouvement Black Panther et leur afro aux USA ont été décisives dans mon choix de ne plus me défriser. C'est un acte éminemment politique. Moi qui craignais de ne plus être séduisante, j'ai même eu droit à un bonus. L'homme que j'ai épousé me préfère au naturel.